Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette édition d'information sur Atlante Télévision. La légende du basketball, Mutombo Dikembe, s'est éteint ce lundi. La National Basketball Association, qui annonce cette mort dans un communiqué, révèle que les basketteurs américains d'origine congolaise s'est éteint à l'âge de 58 ans aux États-Unis d'Amérique à la suite des cancers du cerveau. Mutombo Dikembe a été élu 4 fois consécutives meilleur défenseur de la NBA. Il a marqué l'histoire de son sport et de son pays, la République démocratique du Congo. Mutombo Dikembe est présenté comme l'un des rares basketteurs à pouvoir se vanter d'avoir arrêté le grand Michael Jordan à de nombreuses reprises. Ouverture solennelle à Kinshasa. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa de la session ordinaire de septembre 2024. Cette session, qui intervient après les vacances parlementaires des élus provinciaux, est essentiellement budgétaire. Comme pour dire, les députés vont examiner plusieurs projets dédiés à caractère budgétaire. Le gouvernement provincial a été invité à déposer à l'APK dans un délai raisonnable le projet dédié du budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2025. Dans la salle de la plénière pour l'ouverture de cette session, le gouverneur de la ville de Kinshasa et d'autres autorités politico-administratives. Pour les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, cette session ordinaire de septembre est essentiellement budgétaire. À cet effet, les élus provinciaux vont s'atteler durant la même session au vote et examen de tous les projets dédiés à caractère budgétaire. Projet dédié portant rédition des comptes de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2023. Et la prise de connaissance des observations y formulées par la Cour des comptes. 2. Projet dédié portant budget de la ville de Kinshasa de l'exercice 2025. À cet effet, j'invite le gouvernement provincial ici présent à déposer dans le meilleur délai au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa les deux projets dédiés susmentionnés, c'est en vue de permettre leur examen et leur vote dans les délais légaux prescrits en la matière. Lévi Mbouta a également recommandé au gouvernement provincial la mise sur pied des stratégies des politiques publiques pour la mobilisation des recettes. S'agissant des espaces de culture maraîchère, c'est ici l'occasion pour moi de condamner jusqu'à la dernière énergie les tentatives de spoliation de ces espaces par des personnes bien identifiées pour en faire des lotissements illégaux avec la complicité des services publics de l'État. Ces pratiques honteuses doivent cesser. 4. La situation relative à la sécurité galopante qui refait surface dans les différents quartiers de la ville province de Kinshasa. 5. L'état de délabrement très avancé de nos routes et de nos infrastructures. En outre, l'organe délibérant de Kinshasa s'engage à accompagner l'exécutif provincial dans son programme à quinquennal. Et à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, le secrétaire général Augustin Kabouya s'est positionné en faveur de la révision de certaines dispositions de la Constitution. À en croire, la Constitution congolaise comporte quelques prescrits qui retardent même l'action de l'exécutif. Il a avancé pour preuve toute la manœuvre autour de la formation du gouvernement. C'était dimanche face aux cadres et militants de ce parti politique. Révision constitutionnelle et ça est le quoi ma bête pas de natire ma camoua naté n'a pas qu'on a zalaki informateur n'a yébi balakim ou et zanakadi ya constitution pour la formation car ya gouvernement président a dumi yébi a du mandat ya mboka mobile pour en nommer premier ministre il faut que l'économie n'a un informateur. Informateur à moi à cause de 100 amis balais. Quoi ça, la Moussala naïe. Ce qui a salué Moussala a fait ce rapport
président Soki a tangi rapport à nommer le premier ministre. Pour abandonner Moussala, il faut parlement, la salle à l'Union Babenga investir le gouvernement. Or, au la gymnastique et sa place one. Ceux qui vont voter, vont débiter. Et ça, dans l'état pour la contention électorale, au bas de la Kendeke, dans la cour constitutionnelle, pour passer à la revendication là-bas. Nous sommes bloqués. Sur 5 ans, il y a le président de la République. Pour consommer 6 mois mobilement, ils ont été offerts. Si ceux qui 6 mois ont été mandat ou pas, ça a été 5 ans, ils ont 50 ans, 4 ans. Puisque la 5e année, c'est une année électorale, on va tout le monde se faire la carte, comme à ta comme à maman à gauche, comme à maman à droite. Est-ce que la constitution a bon mot, puisque tu as dit que tu as bon mot? Et dans le reste de l'actualité, Jean-Pierre Kambila, ancien directeur de cabinet adjoint de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a été retrouvé mort dimanche 29 septembre à Kinshasa. Les causes de son décès ne sont pas encore connues. Les sources proches de cet homme politique parlent jusqu'ici d'une mort naturelle. Jean-Pierre Kambila avait quitté Joseph Kabila pour rejoindre Félix Tshisekedi à l'Union sacrée de la nation. Des activités ont été paralysées ce lundi 30 septembre dans plusieurs coins de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. À la base, la grève des conducteurs des taxis et motos observée dans plusieurs parties de la capitale. Ces motards protestent contre des cas de tracasseries routières dont ils sont victimes de la part des agents de la police des circulations routières. Les lauréats de l'École nationale des finances de la promotion 2010 ont enfin été pris en charge par les trésors publics. L'initiative qui vient à concrétiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui place les bien-être des citoyens au centre de son action. Ces lauréats ont été reçus au cabinet du ministre des Finances et ils étaient venus pour remercier le président de la République et les ministres des Finances pour la concrétisation de cette promesse. Ils étaient nombreux au cabinet du ministre des Finances. Ces lauréats venus exprimer leur gratitude envers le président de la République pour avoir permis la signature de l'acte des prises en charge, les intégrant ainsi effectivement en tant que fonctionnaires du Trésor public, mettant fin à 14 années d'attente. L'Argentier national a souligné que cet acte s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement qui vise notamment à renforcer l'efficacité des services publics, les clés de route de l'action de l'État. Les services publics doivent devenir plus performants à tous les niveaux. Le ministre des Finances a salué le soutien du président de la République et de la première ministre Judith Suminois ainsi que du vice-premier ministre en charge de la fonction publique qui a signé l'arrêté octroyant les statuts des fonctionnaires à ses lauréats. Vous êtes sans ignorer que ce dossier a commencé depuis 2010. Plusieurs ministres se sont succédés. Mais Son Excellence Monsieur le ministre Doudou Fouamba Libotaï Likonde avait pris à bras le corps et a tapé la main sur la table pour trouver une solution adéquate par rapport à nos préoccupations. Nous avions passé plus de 14 ans dans le chômage, derrière les couloirs, pour trouver la solution par rapport à notre inquiétude. Aujourd'hui, nous sommes ici devant les cabinets pour dire merci à Son Excellence Doudou Fouamba pour la mise en service de tous les lauréats. Lors de cette rencontre, le ministre a encouragé ses lauréats à servir la nation avec dévouement et intégrité, en luttant contre les antivaleurs telles que la corruption et les tribalismes. Doudou Fouamba les a exhortés à adopter un comportement exemplaire conformément au code des bonnes conduites afin de rendre des services loyaux au profit de tous. Cette action démontre la volonté du gouvernement à valoriser le travail des jeunes diplômés et de renforcer la fonction publique pour le bien-être de la nation. Et je le disais tout à l'heure, des activités ont été paralysées ce lundi 30 septembre dans plusieurs coins de la ville de Kinshasa. À la base, la grève des conducteurs
des mototaxis observés dans plusieurs coins de la capitale. Ces motards protestent contre des cas de tracasseries routières dont ils sont victimes de la part des agents de police des circulations routières. Contrairement à l'accoutumée, les motos se sont faites rares ce lundi, et comme ici, dans la commune d'Ungaba. Aujourd'hui, d'un grand secours face aux embouteillages devenus monnaie courante dans la capitale, les motards dénoncent les tracasseries routières. Quelques chauffeurs de taxi qui avaient tenté de transporter quelques passagers étaient la cible des motards grévistes. Moto, il y a un prix de tarif. Il y a un moté, il y a un gouvernement. Les motocyclistes conditionnent la reprise de travail par un dialogue constructif avec les autorités compétentes. L'assassin et le commanditaire du journaliste et coordonnateur de la radio Maria Edmond Bahati ont été arrêtés par les services de sécurité présentés à la presse lundi. Les maires de la ville de Goma qui se félicitent de ce joli coup défilé réalisé par ces hommes précisent qu'une audience foraine sera organisée devant la population. Écoutons tour à tour le colonel Guillaume Djiké, porte-parole de l'armée, et le commissaire supérieur principal, Capen Kamand Faustin, maire de la ville de Goma. Nous sommes venus vous présenter le travail abattu par la direction de renseignement de la 4e région militaire, vous en tant que patron des opérations Safi Chambouti. Et donc, lequel travail a consisté à mettre la main sur, premièrement, le meurtrier du coordonnateur de la radio, Maria et son complice, que nous allons vous présenter, mais aussi parmi les travaux abattus par la direction de renseignement de la 34e région militaire, nous avons mis la main aussi sur une bande de criminels avec armes que nous allons vous présenter. Et finalement, nous allons vous présenter des criminels et des détenteurs des chambres à fumer. Nous allons vous présenter à peu près 25 sacs, y compris la drogue injectable. D'habitude, nous présentons les bilans de nos opérations chaque samedi. Si nous venons de les faire d'une manière spontanée, c'est compte tenu de la teneur du choc que nous avons reçu après qu'on ait abattu un de vos collègues, le journaliste Edmond. Les deux messieurs, il y a l'auteur et le co-auteur de l'assassinat du journaliste. Et combien il a gagné? $5 qui lui a été remis par le co-auteur ou l'assassin. Il a logé les balles dans la poitrine. Et j'en profite pour dire à tous ceux qui croient que le service de sécurité, le service d'ordre ne travaille pas. Vous vous leurrez, vous voulez tromper, mettre en otage la population. Les résultats sont là. Les terroristes du M23 seront cantonnés au pays par le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Assurance donnée par Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Dans une interview accordée ce lundi à Actu 30 Télévision, le ministre de la Communication et Médias a rassuré une fois de plus que les terroristes du M23 ne vont pas rejoindre les FARDC. Il est hors de question que le Rwanda continue de garder ses troupes dans l'est de notre pays. Donc ils doivent quitter et il a plaidé pour des sanctions parce que c'est contraire à tous les principes internationaux que de troupes d'un pays étranger puissent
s'installer et commettre autant de massacres dans un pays autre. Ensuite, il est revenu sur notre engagement pour la feuille de route de Luanda, qui est le cadre qui a été mis en place par l'Union africaine pour nous permettre de régler la situation de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et le président de la République s'est aussi dit ouvert. Ouvert à toutes les propositions qui vont rentrer, en tout cas dans les cadres de certains de nos partenaires, qui vont rentrer dans le sens de nous permettre d'arriver à la paix. Parce que la paix, c'est l'objectif que nous recherchons tant, parce que nous devons mettre un terme aux difficultés que rencontrent nos populations dans cette partie du pays, et ça dure depuis bien longtemps. Et l'engagement du président de la République, cette fois, c'est l'engagement qui nous amène vers le bout du tunnel, parce que nous pensons que dès que nous aurons terminé toutes les initiatives en cours, nous pourrons réussir le pari d'une paix durable et définitive dans cette partie est du pays. Au-delà des efforts de paix en cours, pour lequel nous avons la feuille de route de Luanda, le président de la République a parlé du programme PDD-RCS, parce que c'est aussi une composante importante qui va nous permettre d'absorber tous les groupes armés. Évidemment, la question du groupe armé des supplétifs rwandais du M23 sera traitée aussi dans ces cadres-là du programme PDD-RCS. Restons toujours dans le Nord Kivu. Comment faire face aux différentes maladies dans cette province? Ces sujets étaient au cœur des échanges ce lundi entre le vice-gouverneur de la province et une délégation de l'Organisation mondiale de la santé, la MONUSCO. Les parties prenantes se sont engagées à multiplier les initiatives visant à prévenir les maladies d'origine inconnue dans toute la province du Nord Kivu. Dans une rencontre ce 30 septembre 2024 au gouvernorat du Nord Kivu, le vice-gouverneur de la province, le commissaire divisionnaire Jean-Romualdo Ekoukali Popo, a échangé avec le chef adjoint de la MONUSCO chargé des questions humanitaires, mais également le représentant pays de l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle. Comment faire face à la multiplicité d'épidémies dans l'Est de la République démocratique du Congo, particulièrement en province du Nord Kivu, était la question centrale, surtout avec la fièvre de Marburg constatée au Rwanda voisin, dont le taux de létalité est de 26% dans ces pays frontaliers de la province du Nord Kivu, renseigne Dr Bureyima Sambo de l'OMS. C'est comme je dis, c'est d'abord le Mpox, qui est, comme vous savez, c'est une zoonose, c'est une maladie des animaux qui passe chez les hommes. C'est la même chose que le Marburg, qui est donc un virus, qui est un virus qui est dans la grande famille de ce que nous appelons les fièvres hémorragiques comme Ebola. Donc c'est une maladie hautement contagieuse, d'une létalité très élevée. Les premières données que nous avons ici au Rwanda, nous avons un taux de létalité de 26%, et ce qui est énorme. Et vous savez aussi que la protection contre le Marburg, c'est des protections très difficiles, c'est comme le Ebola. Et nous ne voulons pas que cette nouvelle maladie vienne compromettre nos efforts de réponse actuels contre le Mpox. Beaucoup de choses, nous avons discuté avec le gouverneur et nous allons discuter avec la division provinciale de la santé. C'est de surveiller nos postes d'entrée, c'est de faire beaucoup de surveillance épidémiologique, faire en sorte que s'il y a un cas qu'on le détecte au point où il va rentrer, puisque la maladie n'est pas encore chez nous. Donc les plus grandes mesures, c'est de faire en sorte qu'elle ne rentre pas. Mais même si elle rentrait, c'est de faire en sorte qu'on détecte le cas rapidement, qu'on l'isole, qu'on retrouve les contacts de ce cas-là et qu'on puisse éteindre avant que ça ne prenne des proportions inquiétantes. Il ajoute que la riposte au Mpox se porte bien au Nord Kivu au regard de son nombre très réduit des décès des personnes qui ont contracté la maladie. Et quittons le Nord Kivu pour le Congo central. Le gouverneur de province, Grâce Bilolo, a fait le week-end dernier la ronde de plusieurs chantiers en cours d'exécution dans la ville de Matadi, chef-lieu de la province, pour la modernisation de la voirie urbaine de cette ville. Cette visite d'inspection a débuté au niveau du tronçon routier Bouima Coca-Cola pour chuter au camp Rediafa. Il s'est dit satisfait de l'évolution des travaux.
L'avant-midi de la journée du samedi 28 septembre 2024 a été mise à profit par le gouverneur du Congo central grâce à Nkwanga Maswangi Bilolo qui a effectué une visite d'inspection des travaux de modernisation de la voirie urbaine de la ville porteuse de Matadi. Partant de l'axe Bouima Coca-Cola, long de près de 350 mètres sur 8 mètres de largeur, dont les travaux sont exécutés par la division provinciale des travaux publics, le numéro 1, la province du Congo central a été envahie par la population mobilisée de façon spontanée pour soutenir sa vision, celle de faire de la ville de Matadi le miroir du Congo central. Arrivé au camp Redjaf dans la commune de Matadi, ici les travaux exécutés par l'OVD avancent également à pas de géant comme au premier site à la grande satisfaction du gouverneur de province. La province du Congo central aujourd'hui, c'est un vaste chantier. On n'est pas que seulement ici dans la ville de Matadi, il y a des travaux déjà qui s'effectuent dans d'autres territoires. J'appelle à l'adhésion populaire de soutenir le projet et aux jeunes de Matadi de venir adhérer au projet du gouvernement et de la mairie comme tous travaux qui participent à la reconstruction de notre province. Le gouverneur Grâce Nkwanga Maswangi Bilolo, déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État, donne une lueur d'espoir à la population du Congo central. Il essaie de noter que ces travaux salués massivement par la population sont entièrement financés par le gouvernement provincial. C'est l'une des institutions réputées, sinon la principale, dans la formation de journalistes en République démocratique du Congo, l'Université des sciences de l'information et de la communication, ex-IFASIC, a confié 20 de ses étudiants de troisième cycle, des troisième années de licence en stage académique au sein de votre rédaction. Après un mois d'apprentissage et pratique sur le baba du journaliste, ils ont clôturé leur stage ce lundi sur une note satisfaisante. Leurs avis dans ces images de l'une de ces stagiaires. Prenons une autre information. C'est l'une des institutions réputées, sinon la principale dans la formation de journalistes en République démocratique du Congo, l'Université des sciences de l'information et de la communication, ex-IFASIC, qui a confié ses 20 de ses étudiants de troisième année de licence en stage académique au sein de votre rédaction. Après un mois d'apprentissage et pratique sur le baba du journalisme, ils ont clôturé leur stage. C'est lundi sur une note satisfaisante. Leurs avis dans ces images de l'une de ces stagiaires. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé dimanche 29 septembre à Hongrie pour une visite d'État. Tout est bien qui finit bien, dit-on en stage académique depuis le 2 septembre au sein du groupe de presse Actu 30. Les étudiants de l'Université des sciences, de l'information et de la communication ex-IFASIC ont bouclé en toute beauté cette période de travail. Au dernier jour, ces journalistes et communicants à devenir ont bénéficié de précieux conseils de la rédaction d'Actu 30. Ils retiennent bien de points positifs de cette période. Je dirais que c'est une bonne chaîne. J'ai trouvé des journalistes qui bossent, il y a des journalistes qui sont vraiment très intelligents et qui nous ont vraiment aidés à se découvrir, à se développer. Donc, les stages s'est bien passé. Les encadreurs étaient vraiment ouverts envers nous. J'avais vraiment des difficultés quelque part, mais je suis à connaître quelque chose. Ces étudiants de l'UNICIC ont eu de mots louables à l'endroit de toute l'équipe d'Actu 30 pour de moments d'apprentissage, d'échange et de partage tout au long de ces stages. Mais sinon, on a vraiment beaucoup appris par rapport à d'autres chaînes. Il y a d'autres chaînes, les stagiaires sont devenus, on dirait, des domestiques, aller acheter ceci, aller acheter cela. Mais là, vraiment, on a beaucoup appris. Voilà, je suis fière. Donc, j'ai beaucoup appris avec eux. Un grand merci. Premièrement, je tiens à remercier la DG, Madame Rachel, la DG de la chaîne Actu 30. C'est elle qui a voulu bien autoriser à ce que les stagiaires de l'UNICIC ex-IFASIC puissent venir apprendre ici comme étant des stagiaires. Et aussi, je remercie les encadreurs pour l'accueil dès le premier jour et pour les notions qu'ils nous ont données.
et aussi pour l'amour et la considération. En un mois, ces étudiants ont réalisé des interviews, de reportages sur terrain et ont pu rédiger quelques articles qui resteront à jamais dans les archives d'Actu 30 Télévision. Qualifié en demi-finale du tournoi zonal de l'INIFAC, comptant pour les éliminatoires de la CAN de moins de 20 ans, prévu en 2025, les Léopards de la RDC vont affronter ce mardi 1er octobre à Brazzaville les Lions indomptables du Cameroun au stade Alphonse Massamba Diba. Les Léopards avaient obtenu cette qualification après leur succès 3 contre 1 devant la Guinée le week-end dernier. Une performance que les Congolais comptent refaire ce mardi. Nous rendons toute la gloire à Dieu parce qu'on sort quand même de loin. Je ne cesse de le dire, depuis qu'on est arrivé ici, on n'a pas les mêmes armes que nos concurrents. Et ça peut se remarquer, rien que quand les équipes sortent, vous voyez qu'en termes numéraires, on est bien en infériorité. Donc les garçons, ils ont été forts mentalement et ils ont su appliquer le plan qui a été proposé hier lors des entraînements pour mettre en difficulté cette équipe guinéenne, qui malgré tout a proposé une très belle résistance en face. Bien sûr, elle nous a mené au score. On est resté sérieux sans s'écarter de notre objectif qui était d'arracher les 3 points. Donc je pense que, en résumé, les garçons ont été très sérieux et ils ont pris en compte les attentes de la République, parce qu'ils sont ici au service de la République et voilà, ils se sont battus jusqu'au bout. C'est déjà, vous avez observé qu'il n'y a pas eu de changement après la mi-temps, c'était les mêmes hommes qui étaient revenus. Donc on leur a rappelé leur responsabilité. Lorsqu'on défend les couleurs nationales, même s'il n'y a que 2 remplaçants, déjà on leur a dit on n'a pas droit au changement. Donc c'était ça le discours. On n'a pas réinventé les choses, on leur a juste dit qu'ils devaient se battre jusqu'au bout parce qu'on n'avait pas de changement. Et les garçons en ont pris conscience et on s'est battus et bravo à eux pour ça. Honnêtement, je n'y pense pas encore. Pour le moment, donnez-nous quand même le temps de rentrer à l'hôtel, reposer de cette longue montagne qu'on vient de franchir. Et peut-être demain, on va commencer à voir l'adversaire de mardi. Pour le moment, il fallait en finir avec la Guinée équatoriale qui a été très difficile pour nous. Je pense que ça serait prématuré pour nous de commencer à penser à l'adversaire de mardi. Madame, monsieur, c'est fini pour cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.